Le top départ de la nouvelle saison de L'Amour est dans le Pré a été donné ce lundi 30 août. Les téléspectateurs ont ainsi pu faire la rencontre de trois nouveaux agriculteurs. Hervé, Vincent et Jean-Daniel, qui se sont soumis à l'expérience du speed dating. Mais ceux qui ont veillé jusque tard dans la nuit ont également pu avoir des nouvelles de certaines des anciennes vedettes de l'émission. Comme le veut la tradition, un épisode inédit de L'Amour vu du Pré a été diffusé. Dans lequel Didier et Francis, tous deux issus de la 14e saison, se sont retrouvés. L'occasion pour les deux hommes de faire le point sur leur vie sentimentale. Si le premier file toujours le parfait amour avec Isabelle, même s'ils ne se sont toujours pas mariés. Le second a connu un gros chagrin d'amour. Il a révélé à son acolyte que sa compagne Martine, avec qui il était en couple depuis environ un an, l'a quitté sans donner d'explication. Lors de sa participation à l'émission de Karine Le Marchand, en 2019, Francis avait eu un coup de foudre pour sa prétendante Brigitte. Son attirance pour cette dernière s'était confirmée lors des speed dating et des premiers jours à la ferme. Mais à sa la surprise générale, c'est seul que l'agriculteur s'était rendu au bilan, annonçant ainsi leur rupture. Quelques mois plus tard, lors de L'Amour vu du Pré, il avait toutefois confié avoir retrouvé l'amour au bras d'une certaine Martine, venue à ses côtés. Mais alors qu'il pensait avoir enfin trouvé sa perle rare, Francis a dû renouer à contre-cœur avec le célibat. L'agriculteur déçu a toutefois pu compter sur la bonne humeur légendaire de Didier pour lui remonter le moral. Capri, c'est fini, a chanté ce dernier avec amusement, décrochant ainsi un sourire à son ami. C'était à la montagne, mais pas à Capri, a toutefois pris soin de préciser l'intéressé.